Hey, salut à toutes et à tous! Et nous voici partis ensemble pour un nouvel épisode de Kingdom Hearts 2. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, découvrir notre second monde, si on veut, même si je dirais vraiment premier monde, car c'est là où va prendre toute la magie des Disney. Et je vous avais demandé, donc au dernier épisode, si vous aviez une petite idée de ce qui allait nous attendre dans ce monde de Terre des Dragons, le Disney en quelque sorte que ça allait représenter. Personne m'a répondu. Forever alone, voilà, mon destin. Je suis voué à rester éternellement seul. Bon, c'est pas grave, hein. Dans tous les cas, ça va pas m'empêcher de le découvrir à vos côtés. Atterrir sur la Terre des Dragons, oui. Moi, je pense que ça commence par un M et que ça finit par un N. Si vous avez pas deviné après ça, je peux plus rien pour vous. Vu Mulan, c'est Shan Yu, le chef de l'armée des Huns. Vas-y, ma grande, c'est l'occasion rêvée. Je vois ça d'ici. Fa Mulan, triomphe de l'ennemi public numéro 1. Tu vas être célèbre, une vraie superstar. Mushu, arrête un peu. Je ne me suis même pas encore engagée. Je dois prendre la place de mon père pour sauver l'honneur de la famille Fa. Ce qui compte, c'est que je ne sois pas démasquée. Ouais, c'est ça, t'as la frousse, c'est tout. Pas toi ? Qu'est-ce que c'est? Un soldat? Allez, on lui fait sa fête. On devrait peut-être vérifier avant d'attaquer. C'est toi, Mushu? Ah, vous avez entendu parler de moi? Je suis roublard, redoutable et renommé. Alors filez si vous ne voulez pas connaître la fureur du dragon! Oh, Mushu, tu nous as manqué! Il vaudrait mieux pour vous que je vous manque, parce que sinon vous allez... Sora! Donald! Dingo! Tu les connais? Si je les connais, on a réglé leur compte à des tonnes de méchants tous les quatre. Ah ouais, et je leur ai sauvé la vie plus d'une fois, vu que je suis un méga dragon surpuissant, pas vrai? Oh. On peut dire ça comme ça. Et toi, tu es? Mulan. Je veux dire... Ping! Mulan Ping? Juste Ping. Je suis Ping, le fils de Fazu. T'es un ami de Mushu? Mushu est un des gardiens de ma famille. Oh, en se battant avec lui, on savait pas qu'on mobilisait le gardien de ta famille. C'est la classe, hein? Du coup, vous avez une sacrée dette envers Ping ici présent. Et devinez quoi, les jeunes, il faut rembourser. Mushu. Bon, ça les dérange pas, c'est pas vrai? Oui, c'est normal. Je vous explique, Ping est en route pour s'enrôler dans l'armée impériale. On doit rejoindre les autres recrues au camp d'entraînement. Vous venez aussi? Ce sera plus facile de m'intégrer avec des garçons comme vous. Comment ça, s'intégrer? faites pas attention. Tu fais semblant d'être un garçon, c'est ça? Hein? Tu es une fille? Vous n'aviez pas remarqué? Pas du tout. Alors c'est que ça marche. Ouais, c'est de la croire et n'importe quoi. T'exagères là! Donc nous sommes partis ensemble pour ce qu'on appellera le monde de Mulan, Terre des Dragons. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Mulan, je peux rien faire pour vous. Ça fait partie vraiment, c'est un Disney que j'affectionne tout particulièrement. Alors oui, aussi c'est une des particularités, avec les personnages Disney, ils vont pouvoir interagir avec nous dans les combats et vont remplacer un des deux personnages. Donc j'ai le choix de garder Donald ou Dingo, allez. Non, je vais garder Donald. On va voir les petites compétences qu'a cette chère Ping, ou plutôt Mulan. Attraction, booster objet. Augmente les effets des objets de soins sur le terrain et permet d'attirer les orbes à proximité.
Bon, ben, y a que ça, donc vous allez me dire, on n'a pas trop le choix. Booster XP augmente les gains d'expérience après une victoire lorsque l'HP restant sont bas. C'est quoi l'intérêt? Je veux dire que faut vraiment que je me laisse tuer, quoi. Ben, pourquoi pas. Il me reste 3 de toute manière. Augmente les dégâts proportionnellement au nombre de coups. Allez, booster XP. Après tout, on a 3 points de compétences disponibles. Alors autant les utiliser à quelque chose. Surtout si ça peut augmenter l'expérience. Plus on montera en expérience et plus on sera fort. Et après tout, c'est aussi l'intérêt. Configuration sera... Ah oui, donc oui, on a bien brasier. Parce que la dernière fois, c'était le copain mage de... Enfin, le professeur mage qui nous avait donc enseigné le souvenir. Je dis pas de bêtises. Ok. Ajoute la commande intervertir. Cette commande permet de changer l'un des membres de l'équipe, certains-uns lors des combats durant lesquels le menu principal n'est pas accessible. D'accord. Donc, Mulan, la terre des dragons. Vous me direz, dans les Disney, je ne sais pas vraiment si on a d'autres films d'animation avec des personnages de type dragon. Enfin, en tout cas, de souvenir, je ne vois pas. Ouais, non, pas tout de suite. Alors, boutique, qu'est-ce que tu as à me vendre? Les objets à vendre dans les boutiques visitées deviennent disponibles dans les boutiques des grandes villes. Oui, merci. Alors, bracelet, bandana elfique, bracelet... Ouais, mais c'est vrai que là, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de munis, j'ai pas encore envie de les dépenser. Donc, on va y aller comme ça. Intervertir. Pink, Donald... Oh, c'est cool. J'avais pas souvenir qu'on avait accès... À... Enfin, qu'on va intervertir les personnages de manière aussi facile. Donc, si vous connaissez l'histoire de Mulan, enfin, je veux pas vraiment vous l'apprendre, hein. Et de toute manière, vous la verrez parce que le but, justement, c'est un petit peu de revisiter l'histoire de chaque Disney, mais en compagnie de Sora, Donald et Dingo. N'oublie pas, fillette, sois viril. C'est l'heure de casser la croûte. Hé, hey, me pousse pas. Touche là. Dégage. Il y a un trou dans la file. Je me demande ce qu'il y a au déjeuner. De la tarte au marron. Ça suffit. Je vous en prie. Je vous en prie. Quelle mauviette. Arrêtez. Arrêtez quoi? De nous frapper. Ta gueule de biais. Mais quelle crevette. C'est moi que tu traites de crevette face au panda. Je suis un véritable dragon gardien. Remettons-nous dans la file, d'accord? Eh, pas si vite. C'est eux qui ont commencé. Et on peut continuer. Soldats, remettez-vous en rang. Le capitaine! Premier combat dans ce nouveau monde. La jauge représente le moral de l'équipe. Si elle se vide complètement, la partie s'arrête. Ramasse les orbes laissées par les ennemis pour la recharger. Les orbes jouent un rôle déterminant dans de nombreux combats. Certains ont des effets spéciaux. Ramasse-en le plus possible. Ok. Oh, wow, wow, wow. Hey, go, go, go. Vous êtes là, moi, les petits. Oh, en plus, il y a plein d'orbes. Boum. Bon. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de difficultés sur les premiers combats. Oh, une grosse orbe. Oh, oui. Il y en a qui sont plus grosses que d'autres. Oh, attendez, là, il y a un gros. Je crois avoir vu un gros. Oh, le magicien. Magicien, reviens là, toi. Eh, hey, tu penses pas m'échapper, quand même, hein? Non, 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 oui. Donald, level up. Non. Cool. Toi. Non, 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 mais pas toi. Je veux le magicien. Non. Oh, il me saoule, l'autre. Voilà, enfin, j'ai réussi à te viser. T'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi. Bim. Ouh, joli. Vous trois, quels sont vos noms? Sora, Donald, Dingo. Un canard, un chien et un homme. Bienvenue dans mon bataillon.
C'est d'hommes forts comme vous dont nous avons besoin. Puis Ping, fils de... Toi, rentre vite chez toi. Mais ce serait un déshonneur pour toute ma famille. Je préfère déshonorer mes troupes. Retenez-moi ou je vais faire un malheur. S'entraînant dur, je suis sûr que Ping deviendra rapidement un soldat d'exception. Confiez-nous une mission. Nous vous prouverons que nous faisons une équipe hors pair. Vous souhaitez faire vos preuves. Nous avons pour ordre de tendre une embuscade à Shan Yu et ses troupes. Ils devraient arriver par la montagne. On va les ratatiner! J'en doute fort. Partez en éclaireur et repérez le terrain pour mes hommes. C'est tout? Trop facile! Pas vrai? Oui. Je vous communiquerai les détails plus tard. Venez me trouver quand vous serez prêt. Et n'oubliez pas que même les plus humbles missions servent les grandes causes. Soyez vigilants! À vos ordres! Il y a un campement, un plan des lieux. Donc on va commencer une mission. Demandez les ordres, d'accord. Donc avant, on va faire un petit tour du campement, voir s'il n'y a pas un petit coffre qui se cache, etc. Et ça me laisse le temps un petit peu de vous raconter quelques petites anecdotes à propos de moi et Mulan. Faut savoir que Mulan, c'est un Disney que j'adore, tout particulièrement pour ses chansons. Enfin, là, une des chansons qu'on avait, je crois, dans cette partie, c'était... Nous les hommes avec les femmes ou nous enfin le combat contre les uns. Si j'ai bien souvenir, parce que oui, il faut savoir, là en gros on doit affronter une armée. Je crois que c'est les uns. Le nom des ennemis. Ouais, non, pourquoi pas. De souvenir, c'était ça. Et le but justement c'est d'empêcher ces vilains petits gardements d'atteindre la cité impériale. Et ainsi de prendre le contrôle et je crois de tuer l'empereur. Êtes-vous prêt à effectuer une mission? Oh. Attaque surprise, embuscade, recherche. Alors, attaque surprise, le poste de contrôle. Un individu suspect est repéré aux abords du poste de contrôle. Allez-y vite, éliminez l'ennemi. Je crois de toute manière, on va devoir faire les trois. Donc allez, autant vite commencer. Plus vite elles seront faites, plus vite on pourra continuer l'histoire. Ça tombe bien si vous adorez... Ne laissez pas ouais, la jauge de morale, bon ça comme d'hab. Hein. Ça tombe bien, en gros, si vous aimez les Disney, parce que ça reprend vraiment les histoires, mais en donnant sa petite touche personnelle, et ça, vraiment, c'est très appréciable. Boum! Oh, quel combo! Et oui, ils donnent tellement d'XP! Oh, je les aime, eux. Ah, mais mince, je peux pas déclencher! Vaillance! Je voulais déclencher le pouvoir. On a... Ah oui, c'est vrai que je peux aussi casser les caisses. Boum! Oh, c'est génial, ça me fait plein d'XP! Oh, j'aime! On ramasse les boboules! Trop de boboules! Bon, après, les petits sans-coeurs de base, hein. On voit bien la différence d'XP, les petits 5 coeurs comme ça rapportent 4 points tandis que les autres c'était 24. Bon, et si je perds de... Normalement, si je perds de la vie, c'est pas trop grave, je suis censé gagner plus d'XP en conséquence alors. Boum! Ah, mais en fin de combat, je me rappelle, ouais. Et je vois que je suis soigné, je crois que ça doit être Donald qui me donne des sangs. Ah, j'utilise pas mes sorts, ouais. Pour changer. Voilà! Oh, brasier! Ah, c'est un truc autour de nous! Ah, c'est sympa ça! Je pensais que ça envoyait tout simplement une boule de feu un petit peu comme glacier. Attention, glacier! Go! Go! Ah, mais c'est vrai que parfois les ennemis sont immunisés contre les sorts. Alors, je sais pas si c'est le cas pour cela. Kaboom! Sera level up. Magie, défense, augmentée. Être performance. Concentrez-vous! Ça ne fait que commencer. Donc, on a fait déjà une des trois missions. Il a pas l'air content. Allez. Shuan Yu a envahi notre pays. Nous devons l'arrêter coûte que coûte. Embuscade. Une horde d'ennemis se dirige vers le poste de contrôle. Certains ont l'air coriaces. Il faut les arrêter et terrasser les 5 heures aux abords du poste de contrôle. Oui. Allez, de toute manière, on a que ça à faire. Ah, et c'est un peu le but. En tout cas, c'est vrai que Mulan... Enfin, pour moi, ça fait vraiment partie de... Enfin, avec les musiques, je pense que ça fait partie d'un de mes films d'animation Disney préférés. Ouais. C'est pas le Roi Lion comme beaucoup ou... Il y en a d'autres. C'est pas forcément que le Roi Lion. De souvenir. Ah, Aladdin aussi, j'adore. Ah oui, Aladdin, c'est pas mal. Ça, ce serait un truc qui m'intéresserait. N'hésitez pas à me dire en commentaire
aussi, prouvez-moi que je suis pas seul. Et dites-moi, quel est votre Disney préféré? Ça, ce serait intéressant à savoir. Et comme ça, on pourra partager ensemble nos favoris dans Disney. Et après, si vous vraiment vous voulez encore plus vous investir, n'hésitez pas à dire pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que ce Disney vous a plus marqué? Est-ce que, parce que voilà, quand vous étiez enfant, ça a été un petit peu le Disney de votre enfance? Est-ce que les musiques sont géniales? Oh non! Oh, j'en ai souvenir! Oh, ça, c'est les centaures! Eux, ils sont balèzes, faut pas que je les laisse me taper, parce que sinon, je prends cher. Aïe, 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 aïe. Attention, je pars. Là, par exemple, ça vaut le coup de parer. Mais le problème, c'est quand je fais un combo, c'est ça qui est chiant, c'est qu'en fait, je peux pas faire carré en plein combo. Level up dingo, alors qu'on joue pas avec. Ouh. Allez, bim. Ouh. Aïe, 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 aïe. J'aime bien, je fais contre et en fait, le temps que je contre, ils annulent. Enfin, ils attaquent juste après. Histoire de dire. Oh, je t'ai contré. Ah, bah t'as vu, ça sert à ça de contrer. Hein. On va dire, voilà, le contre, ça sert vraiment contre des ennemis qui ont de la puissance. Enfin, en tout cas, qui ont plus de vie. Et vous êtes sûr de pas pouvoir les taper infiniment comme vous le souhaitez. Allez, boum, boum, boum. Ah, c'est vrai que c'est dommage, j'aimerais bien utiliser la transformation. Aïe, aïe. Attendez, je veux voir un truc. Intervertir Donald. Non, ok. Intervertir Ping. Ah, je peux pas l'intervertir Ping, d'accord. Donc en fait, j'ai vraiment pas accès à tout ce qui est vaillance. Oh, et en plus, les centaures rapportent 40 points d'XP. Ça, c'est pas mal. Bon, moi, je dis XP, hein. Vous m'en voudrez pas, c'est pour fin d'expérience. Pas trop mal. Appliquez-vous pour la suite. Pas de soucis, mon vieux. Nous allons faire de notre mieux. Ah oui, et dans l'histoire, Mulan... Enfin, peut-être je vous spoil un petit peu, même si je pense que vous connaissez. Prend la place de son père qui est, on va dire, très... qui est assez vieux et mal en point. Parce que justement, elle a peur que celui-ci meure au cours de la bataille. Et pour cela, elle doit se faire passer pour un homme parce qu'il n'accepte pas les filles pour combattre et être engagée dans l'armée. Alors Mulan prend sa place tant bien que mal. Vous avez vu, voilà, ça se voit, elle essaye tant bien que mal. En plus, quand elle marchait, elle essaie de marcher de manière virile à sa manière. Hein. On peut mieux faire, peut mieux faire. Ils sont où les 5 heures? En vacances? Ah, tu me rassures. Tu joues à cache-cache, c'est ça, mon coco? Bon, bah, c'est pas grave, hein. Je t'ai trouvé. Je peux trouver. Vous pourriez m'en envoyer plus qu'un. Voilà, un tout seul. Ah, faut peut-être les trouver. Faut les débusquer pour pouvoir ainsi les tuer. Allez, viens là, coco. Voilà. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, Donald, c'est vraiment les sorts. En général, c'est pratique pour tout ce qui est sorts de soins, attaques et ainsi de suite. Et Dingo, c'est surtout la mêlée. Il adore foncer dans le tas et en général, il a des combos qui sont assez sympas. Quand vous avez plusieurs ennemis en même temps, il fait un tour, une sorte de tourbillon où il tourne. Voilà, il tourne un petit peu autour de tout. Oh, la jauge. Pourquoi la jauge, elle... Non mais stop, 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 stop. Ah, en fait, faut que je tue les ennemis pour remonter la jauge. En fait, c'est peut-être ça le problème de ce combat, parce que je trouve que c'est super simple. En fait, la jauge descend à une vitesse, c'est incroyable. Bon, s'il te plaît, toi. Tu vas me laisser tranquille, boum. Prochain niveau 126, si on a... il nous en manque. Bon, ça avance assez vite, hein. Très bien, continuez sur cette lancée. Il vous reste encore du travail à accomplir. Ah non, j'ai fait toutes les missions. Bonus PC, augmente les PC max de 1 point, utilisable uniquement à partir du menu. De toute manière, j'ai surtout envie d'y mettre sur Sora, c'est le personnage qu'on contrôle le plus, alors. Vous, vous en êtes bien sorti. Et comment? Yo, Capitaine. Je reconnais que tu as un peu progressé, mais... Pas un peu, beaucoup. Non, vous avez raison, Capitaine. Confiez-moi une dernière mission. Cette fois, je vous montrerai de quoi je suis capable. Très bien, je t'offre une dernière chance. Venez me voir quand vous serez prêt. Et dites-vous que même si c'est un test, il s'agit d'une mission primordiale. Alors, Dunaire, à vos ordres. À vos ordres, capitaine. C'est peut-être bien la dernière mission qu'il va me donner. Ça m'intéresse. Ouvrez la voie vers le sommet pour le reste de la compagnie. J'ai donné pour consigne de vous laisser passer. Tâchez de ne pas me décevoir. Ok, donc c'est par là ou c'est par là. Je sais pas de quel côté c'est. Par là-bas par hasard? Est-ce qu'il y a des points d'interrogation? Bambouserait. Et là-bas on a quoi? Si on a 3 points d'interrogation, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit dans la direction. Là-bas, c'est quoi? Poste de contrôle.
Alors je dirais que ce serait plutôt dans le bambou serait, mais je ne suis point sûr exactement. En tout cas là-bas, ça... oui, en tout cas les décors sont vraiment très fidèles au film. Là c'est vraiment magnifique. Ah donc là oui on revient au début, donc ce n'est pas là. J'en profite juste pour sauvegarder. Allez, parce que justement donc on peut pas utiliser Vaillance parce que je crois qu'il nous faut à la fois Donald et Dingo et c'est une sorte de fusion. Et vu que dans l'histoire, Mulan fait partie intégrante de l'histoire du monde où on se trouve et c'est quand même un petit peu normal de l'avoir à nos côtés et de jouer avec. En général, c'est pas, enfin, les personnages que vous aurez en plus dans les mondes, imaginons du genre si vous avez Aladdin, bah vous aurez Aladdin avec vous, ils sont pas pénalisants pour l'aventure. Au contraire, ils sont sympas. Moi, je les aime bien. C'est des feux d'artifice, non? Oh oui, ça fait du boom, des booms de partout. Des menaces, les jaunes, je crois. Oh, du fight. Vous m'en voulez pas, je profite un petit peu quand on a des ennemis, parce que niveau XP, on va être assez short. Il faut vraiment penser à monter. Et pour ceux qui connaîtraient bien la série, en général, dans les Kingdom Hearts, ils aiment bien nous mettre du genre un petit Sephiroth par-ci, par-là, parce que Sephiroth, c'est un petit peu le boss ultime des Kingdom Hearts. Ben, si... enfin... pour le battre, il faut quand même avoir un très bon niveau facilement. Enfin, on peut le battre sans forcément avoir le niveau 99, vu que c'est le niveau maximum des Kingdom Hearts. Mais bon, hein, si vous voulez vraiment assurer le coup, il faut vraiment être 99. Et au pire, je peux monter assez facilement de mon côté, parce que la partie XP, c'est pas forcément le plus intéressant à vous montrer. La porte est barricadée, impossible de passer pour le moment. Yeah ! Alors, faut aller où ? Ah, peut-être faut monter. Ouais, faut monter au sommet. Oh, attends, ils sont encore réapparus. Oh, hey. Vous voyez, là, il fait un petit peu mode boomerang avec le bouclier. Oh. Bon, on aura eu un petit peu d'XP supplémentaire. C'est pas négligeable. Et faut vraiment bien tout regarder et être sûr de ne rien louper, surtout pour les coffres. Ah oh, oui, là, il y avait 3 points d'interrogation. Ça doit sûrement être là. Dirige-toi vers le sommet. Et comme d'habitude, ne laisse pas la jauge, blablabla, blablabla. Oh, appuie. C'est quoi ça, Brise-Rock? Ah, faut casser le rocher. Voilà. Ah, d'accord, je pense qu'en plus, on a des ennemis à la fois. Il faut après casser le rocher pour essayer de passer. Oh oui. Ah, mais d'accord, il y a plusieurs couilles de rocher. Je me disais, ça me paraissait un petit peu trop simple. Ta-ta-ta. Oh, oh, oui. Boum, 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 boum. Et mon cœur il fait boum boum, je chante de la merde. Mais ce n'est pas grave parce que nous sommes dans une bonne ambiance. Allez petits ennemis, on va vous montrer qui est le plus fort. Allez, vite, allez, sort, boum. Donc, je pense pour ceux qui connaissent Mulan, vous avez sûrement dû reconnaître la montagne enneigée et vous devez déjà savoir ce qu'il va se passer. Mais je vais pas vous spoiler, de toute manière vous le verrez assez vite. Mais c'est toujours assez marrant de voir comment ils ont réussi à faire une histoire en intégrant les personnages, enfin les autres personnages Disney et Sora en passant. C'est toujours très bien pensé. Allez, ouvre-moi ça, mon coco. Potion plus. Ah et d'accord, donc et là en plus on a la jauge de morale qui ne cesse. Enfin qui s'arrête pas quoi. Là elle est vraiment en constante baisse. Donc on est vraiment toujours obligé d'avancer. Si en gros on s'arrête ne serait-ce qu'un instant, on va réussir à perdre. Et je vais réussir à me faire... aïe! Mais bon sang, stop! Boum! Voilà, vous allez un petit peu me laisser tranquille. Qu'est-ce que je vous ai fait, bon sang? Hein? Pourquoi il y a toujours des sans-coeurs là où je vais? Il peut pas y en avoir, ne serait-ce... je sais pas, vous faites le niveau, il n'y a pas de sans-coeurs, tout se passe bien. Mais... ah! Je peux pas prendre la boboule! Je peux pas prendre la boboule! Il y a un coffre, là. J'ai vu, il y a un coffre. Monte, mais... bon sang! Ah bah voilà, et un coup il veut s'accrocher, le coup d'après il veut plus. Sora c'est un rebelle. Éclat de mithril. Donc ça au cas où pour ceux qui auraient oublié à quoi ça sert, c'est ensuite pour faire... c'est des composants qui nous permettront ensuite de construire des objets en tout genre. Allez mes cocos,
Boum! On va vous montrer qui sont les plus forts. Et bien sûr, on peut pas tomber dans le vide, hein, sinon ça aurait été... ça aurait tellement été sadique de la part des concepteurs. Mais ça aurait été marrant. Mais c'est vrai que vous pouvez pas trop non plus contrôler vos mouvements, donc... C'est pas comme un shoot 'em up, ou enfin un petit peu à la Devil May Cry, ou alors là, vraiment, c'est... Vous avez, on va dire, une meilleure maîtrise de votre personnage. Bon, c'est bon, ils vont arrêter de me... C'est bon, hein, on a compris, là, vous êtes chaud. Non mais, stop! Boum, boum, et boum! Je veux juste prendre ça. Merci. Formule récupération. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, deux petits coffres pour la route. Et là, on va pouvoir casser les rochers. Allez! Ah, et bien sûr, il y a un centaure, sinon c'était pas marrant. Hein. Ouh. Ah, c'est chiant! Je voudrais tellement faire vaillance. Voilà, mais là, je peux pas. Aïe! Aïe! Ah, mais mince! Non, mais c'est jamais au bon moment. Il est où l'autre? Centaure. Ah ouais, faut que je fasse gaffe à mon moral, sinon c'est moi qui vais prendre cher. Et boum! Tiens, petit combo. Oh non, il y en a encore un! Non! Hop! Aïe! Oh! Oh, je sais pas comment. Je sais pas qui a contré. En tout cas, c'était bien joué. Vite, vite, vite. Aïe! Aïe! Oh! 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 Oh la vie! Oh la vie! Non, stop! Pitié! Pas le moral! Pas le moral! Pas le moral! Voilà, boum! Allez, dépêche, 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 triangle, 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 allez, vite, vite, oui, c'est bon. Là, je speed, pitié, pitié, non, le moral, oui, c'est bon, ouh, ça passait juste. Oh, et rappelez-vous, on est en difficulté normale, hein. Et c'est plutôt pas mal. Un modèle de virilité. Merci. Bien joué, Mulan. Et le capitaine. Capitaine. A été formidable, je dirais même plus fantastique. Très bien, tu peux intégrer mon bataillon, mais je ne suis toujours pas convaincu de ta valeur. Alors ça, c'est un peu fort. Ce n'est rien, Sora. J'aurai bien l'occasion de prouver ce que je vaux. Il suffira de saisir ma chance. Voilà qui est bien parlé. Merci, capitaine. Bien joué, Bing. Merci. Bon. On a enfin fait, on va dire, je pense, une grosse partie déjà de ce monde. Là, ce qui va suivre, ça va être une partie beaucoup plus intense. La chance nous sourit, ma grande. Je viens de voir un type louche. Je suis sûr que c'était Shanyu. Génial! C'est le chef des 1. Il faut avertir le capitaine. Donc oui, c'est bien les 1. Et vite! Hep, hep, hep! On se calme. Et si vous faisiez un peu fonctionner vos méninges? Vous vous souvenez pourquoi on est là? Pour convaincre le capitaine de la bravoure de Mulan, enfin, de Bing. Hein? Alors, allons débusquer Shenyu nous-mêmes. Avec un peu de chance, on pourra même l'éliminer. Et le localiser devrait suffire à nous assurer les faveurs du capitaine. D'accord, allons-y. Vous pouvez compter sur nous. Voilà ce que je voulais entendre. Shenyu est dans la grotte aux abords du village. Ouais, un endroit où vaut mieux éviter de s'aventurer tout seul, quoi. J'adore. En fait, je sais pas, mais ça me manque, quoi, quand Dingo fait pas son petit bruit. Bien, un village, un plan des lieux. Voilà. Donc, y a pas un petit point de sauvegarde. Ouh, un shop. Donc, par hasard, il y aurait des choses intéressantes. Ouais, bon, comme d'habitude. Synthétiser. Il y aurait pas mal qu'on fasse des choses. Tous les ingrédients disponibles ont été remis au MOG. Toutes les formules disponibles ont été remises au MOG. On va juste voir, voilà, les formules. Donc, reflux, ça fait quoi? Choisir un objet. Ouais, mais ça sert à quoi, reflux? Ingrédients. D'accord, mais ça m'indique toujours pas à quoi ça sert. Bon, c'est pas grave, hein. Ingrédients, récapitulatif, collection. Ok, bon, c'est pas grave, hein. Phase, un petit point de sauvegarde. Je ne dirais point non. Point non. Oh. En tout cas, les décors, j'adore.
C'est vrai que c'est un avantage en général de tout ce qui est assez coloré. C'est pas... Ça passe quand même assez bien. Et c'est pas compliqué, enfin. C'est pas sur un modèle réaliste où vous avez besoin absolument que les graphismes soient wonderful, enfin sublimes. En tout cas, là je vois qu'on en est à 30 minutes de vidéo, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez été content de retrouver Mulan. J'espère aussi que c'est un personnage que vous aimez. N'hésitez pas encore à me dire en commentaire quel est votre Disney préféré, hein, je vous le rappelle, au cas où vous auriez oublié. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre Let's Play sur Kingdom Hearts, les amis. Donc sur ce, ciao à toutes et à tous !